je sais pas, moi checker de reflo. T'as vraiment oublié. Sauf qu'on est obligé de faire le prologue au début, mais je pense qu'on peut le faire à deux. Ok. Mon micro il fait du bruit. Ben non, non c'est correct. Moi pourquoi j'ai de la misère de même. Non, j'ai pas reçu d'invite. Non, je te réinvite. Ah, c'est probablement vu que t'as éteint ta One puis tu l'as rallumé. Non, Non, c'est j'ai ton éteint le PC. PC. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as essayé à date un peu ou... Non. Non? Je t'attendais, là. Ok. Bon, je suis dans ton thing, là. Bon, mais je pense qu'on est obligé de faire le prologue séparé. Ah ben oui. Fait que tu fais ton. Fais le prologue de ton bord, je vais faire le prologue de mon bord. Ça marche. J'espère que ça ressemble quand même à Borderlands. Ouais, je checkais mes KV là avant qu'on se parle et je n'avais acheté 4 il y a 2 jours à peu près. Ouais, tu les as j'avais déjà. Utilisé un. Non, j'avais qu'utilisé un. Je m'en vais checker tantôt. De ces 4, il y en avait 2 autres de banni. À part de lui que j'avais sa One. Ok. Je parle au game, il m'en a donné 2 autres. Là. Les étoiles elles-mêmes. Les ténèbres devaient dévorer peu à peu le ciel. Et après des années de... Appelons ça une très longue moins, série de jaunes et pourris, il ne devait rester qu'une étoile. Tous chercheraient à rejoindre cette dernière étoile afin d'échapper aux ténèbres envahissant l'univers à l'agonie. Cependant, ce rassemblement ne susciterait pas l'unité. Non, le commandant en même temps, mais j'ai pris une journée après tout. La guerre entre civilisations et la guerre. Je sais pas, je l'avais peut-être commandé la veille, moi. Peut-être pas. Et ce traître, le Reindeer. Mais la pierre parlait aussi. Je sais, disons, hier, quand je suis revenu de job, je suis assez en tabarnak, là. J'avais même pas internet chez moi. Et qui, eh bien, chercherait à préserver la lumière. Et c'est là que vous entrez en scène. Parmi ces héros, je pense jouer tranquille à faire des games à Borderlands 2, je sais pas trop. Et les entraînerez. Résultat, je me suis couché genre à 7h30, 8h. Ces guerriers seront les Battleborn. Pour moi, faire d'autres. Et pour vous, bon, j'aurais fait pareil. Ils lutteront ensemble au ça, juste avant que j'aille me coucher, j'ai passé genre 1 heure au téléphone pour se régler ce problème. Finalement, c'est un bris extérieur qu'on a arrangé un matin.
était bordé vraiment. T'as-tu vu combien il y avait de missions à peu près? Aucune idée. J'ai acheté un jeu tantôt sur le market. C'est quoi? Emily Want to Play. Non, ouais, t'as acheté ça. Ouais. Ben, j'avais regardé les vidéos, pis ça m'intéressait un peu. Ça va être plus comique que d'autres choses. Avec le clown mal fait pis tout, là. L'as essayé? Non, pas encore. Mon micro fait pas de bruit, là. Non, correct. Ça fait même pas un peu. Non. Je suis dans mes écouteurs, ça va mal en musique. Ça fait toujours de l'interférence. On a des questions un peu. Pardon, hein. Bah, entends-tu? Ouais, j'entends rien. Le son, je j'entends rien. Ouais. J'entends moins de performance. Regardez, sa vidéo est donc bien longue. Ouais. Tu veux pas skipper en plus? Non. Pas vraiment. C'est ça le prologue, c'est 20 minutes de vidéo. J'ai déjà changé un. Hein? Ouais? Hein? Comme quoi? Contre Destiny. Ah. Ça sent comme quoi la gagne. Ouais. J'avais 3 Battleborns, fait que tant qu'à avoir ça. Ouais. Autant en échanger un contre Destiny. Au prix qu'il vaut Battleborn, mais je vais l'échanger contre Deku qui vaut plus fort. Ouais, mais tu sais, en ce moment, il est 10$. Ouais. Pour ma deuxième copie, je vais la mettre à vendre, mais le 17. Quelque chose de spécial va arrêter ici. On va la mettre à vendre à 30$. Le pire, c'est que ça pourrait marcher. Même, tu peux peut-être le vendre plus cher. Ouais. 30-40$, c'est serré. Ensuite, le monde 40, c'est trop qu'à prendre dans le monde. Ouais. J'ai déjà installé Ok. T'avais juste commandé ça, ça, pis Minecraft Story. Ouais. Pis Go. Go, c'est deux Battleborn. Minecraft, tu tannes, moi ça me dérange pas de te l'échanger contre un de mes jeux. Jamais tu tannes ou tu fais le 1000. Ouais. Ben, 1300 clics là. Pas sûrement de le vendre ou l'échanger. Là. Regardez la vidéo de tabarnak. Ah ben, tabarnak de kill. C'est le meilleur. Pourquoi? La vidéo est finie. Ah, même pas que là, ils se font jouer. Moi, elle vient de finir. Ouais, mais il y a une petite affaire après, là. Ouais, c'est ça. Haut et clair, Melka. Bienvenue
je suis pas du genre à laisser passer une occasion de pourrir la vie à Rindane. Où est la transfuge? Elle prépare le feu d'artifice pour la fiesta d'aujourd'hui. On n'aura qu'une seule chance, Mel. T'es prête? Non, mais c'est pas grave, allons-y quand même. On envoie les données de la mission à Melka, Cleese. C'est en route, capitaine. Hé, attends une minute. C'est Cleese? Cleese fait partie de cette mission? Ah, vous voilà. Suivez le point de passage que j'ai envoyé. Il devrait vous mener tout droit dans la cage du loup. C'est toujours un plaisir, Melka. On va à la porte, genre, mais ça s'en fout. Chat. Oh, mais là-bas, on a. Y'a moyen de franchir cette porte? La mission d'aujourd'hui est assez périlleuse. Je conseille une synchronisation sur une balise de transport d'urgence de la LLC ou point de contrôle en langage clair. Il y en a une tout près. Une fois synchronisé à votre équipement, la balise vous éloigne immédiatement du combat si possible. Tous sont trop faibles. Mais il y a un piège. Notre contrat avec la LLC ne garantit qu'un nombre limité de récupérations avant déconnexion. Ouais, bande de rapiens. Non, aucune idée. Je sais pas combien de temps qu'il veut. Les unités SB1. Les unités défectueuses. Toi, tu l'as déjà fini, toi? Non, non, pas encore. Je suis en mode qui est juste au plein milieu. Enfin, un genre de jet. Il faudrait pas qu'une de ces choses soit des ennemis. Ça serait un petit peu long, ça. Ouais, j'ai des ennemis. Je vais en donner une place. Tu veux réessayer? Facile. Ah, au fait, qui est cette transfuge? Oh, je te l'ai pas dit. Eh ben, c'est Diande, la maître espionne de l'Imperium Generite. C'est pas vrai, sérieux? Le bras droit de Rindane? Il est plutôt en train de faire un flot de bordel. Ouais, ça me foque de frapper avec LT. Ouais. Ouais, on en prend un. Mon premier bas, t'as vu, j'utilise une tête basse, non? Ouais, je vais voir. Oh, regarde, ça va, c'est une tête basse. Où est-ce qu'il vient, capitaine? Oups! C'est un pistolet mitrailleur des RPU modifiés. Conçu pour fonctionner avec votre monstrueuse transformation. C'est un bio-gantelet Eldride, Cleese. J'ai bonnet blanc et blanc bonnet. Allez-y! C'est bon. Melka est presque au point de rendez-vous. Bien, parce que je vais commettre mon deuxième acte de trahison de la journée. C'est trop l'éclate!
Ah, ça se peut, tiens, il y a des armes là-dedans. Je suis rendu au bout du popcorn. Du popcorn? Non, je sais pas si t'as dépassé ce bout là. Du coup, le popcorn. Bon, il parle de popcorn. Ouais, peut-être qu'il y a pas d'aide à faire pour moi. Je suis genre une bâtisse puis je monte des marches. D'après moi, t'es pas rendu encore. Tu vois, tu es bon. Tu m'as fait un petit robot, je sais pas si tu l'as fait ça. Ouais, un drone. Ouais. Ça fait si longtemps ou... Bon non, une minute, deux minutes. C'est pas plein. Sortez le popcorn. Sortez le popcorn. Ah, il a déjà mangé, moi. Ah ben, tabarnak. Tu as fini le tutoriel, toi? Non. Non. Il doit être bon, je pense. On va faire moi. On va au point de rendez-vous. Peut-être après ça, ils vont nous mettre une vidéo de 20 minutes. Peut-être. Bonjour. Je suis Diande. Vous êtes? Remets la peau. Laissez-moi une seconde. On n'a pas une seconde, Jennerit. Vous avez entendu? Votre patron vient nous tuer. Il faut alimenter ses conduits pour déployer le pot. J'ai lancé une arme tantôt, mais je ne sais pas comment l'équiper. Bonjour. C'est pas tout le monde. Général Tao. Oui, qu'est-ce que t'as mangé? Le pont est activé. Pichons le camp d'ici, Jennerit. Diande fera très bien l'affaire. Et vous, c'est Melka, c'est ça? Non. Mon nom, c'est Eldrid qui va t'en mettre une. Pourquoi vous allez là? Vous vous attendiez à une elfe de l'espace? Ou à une observatrice en tenue de cérémonie? J'aurais bien mis la mienne, mais je l'ai perdue quand les Jennerit ont englouti mon étoile. Oh! C'est le moment où Melka pique sa crise! Pour ce que ça vaut, mes excuses. Mais une chose est sûre, ce n'était pas les Jennerit. C'était Rendane. Avancez, Jennerit! Ok, la maître espionne, monsieur! L'Eldrin aussi! Dois-je le ramener à la cathédrale? Quoi? Non! Tuez-les, abruti! Pitié, votre Altesse! Ne me tuez pas! Je m'en occupe! Mais ne me tuez pas! Je ne fais pas de... Bon, mettez-vous au boulot! Bon, t'as fait ce que t'as pu! Bon. Ouais, ouais. J'y ai pas pensé. La carrière tout entière s'est construite sur des cadavres comme celui-ci.
exposée. Elle grouille de générite. Galt, vous êtes où, les gars? On se fait plomber. On arrive le plus vite possible. Dégagez-nous le terrain. Vipay est à droite. Hein? Vipay est à droite. Ok. Je suis déçu. Non. Je sais exactement ce que j'ai fait, Lord Commandant. Je démissionne. Au cas où il y aurait un doute. Écoutez, il est clair que vous désapprouvez notre alliance avec les Maréchines, mais c'est la seule façon de survivre à ce qui se prépare. La seule façon de préserver un temps soit peu notre univers, notre mission ou l'impératrice Lénore. L'impératrice est morte. Ne prononcez plus jamais son nom. Morte? Non, c'est... Oh, laissez tomber. Passons directement aux conséquences de votre petite folie, voulez-vous? Nous allons reconstruire l'héliophage, absorber Solus dans le néant et assurer l'avenir de notre peuple. Pendant ce temps, vous mourrez. Vous mourrez dans le froid, dans la solitude et surtout dans les ténèbres. Quelle misère! L'apologue? Non, oui. Pas encore, bientôt. Faudra la mettre à espionne. Là, ça devrait gérer le champ. On continue, Eldrid qui va t'en mettre une. C'est un pièce pour quelque chose, je sais même pas que ça sert. Ça va bien ton affaire? Je m'entends voir la porte, je sais pas trop. Quel niveau, toi? Niveau 5. Ok. Une proie facile. Salut, ça, faut que tu te tapes. On en était où? On arrive! Tenez bon! J'ai combattu les Varelsi pendant vraiment très longtemps. Nous avons remporté de nombreuses batailles, c'est vrai, et pourtant, il suffit de lever la tête dans la nuit étoilée pour constater qu'au final, nous n'avons fait que retarder l'inéluctable. Et c'est comme ça que vous justifiez cette trahison envers vos alliés? Vos amis? Oui, je sauve quelque chose. C'est toujours mieux que rien. Vous n'en feriez pas autant à ma place? Surtout mes meilleurs agents. C'est pourquoi je vous donne une dernière chance de prouver votre loyauté. Restez sur la sentinelle. Elle est prête. Vous avez fait tourner l'Imperium contre les autres factions. Nos alliés contre les barbares. Ils ont combattu et péri à leur côté pendant des siècles. Vous ne connaissez rien à la loyauté, Fenrir. Bon. Au moins, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé.
Non, j'ai fini. Non, ouais, t'as déjà fini. Je pense que ouais. Non, il y a le boss. T'as-tu battu le boss? Non, je suis rendu là. Ça, j'étais comme surpris que tu t'aies déjà fini. Je pensais que j'avais fini là. Il reste combien de vie à peu près? Oui, il reste à peu près le tiers. Ok. Oh mon fils. Même peut-être plus le corps dans ce temps. Ok. Ça veut pas dire qu'on va avoir fini le tutoriel après ça. Non, c'est ça. Je prends la moitié là. Combien de fois qu'il remonte et qu'il descend en date? Une coupe, je sais pas, j'ai pas compté. La sentinelle a morflé. Deuxième boss en dessous? Il me semble que c'est pas un deuxième boss. Ça, c'est un gros ennemi. Ouais. Ah, si je suis mort. Ça doit être mon doute de nouveau. Tu t'es battu toi? Ouais, un petit bout, ben une minute peut-être. Okay. Je suis d'accord. Et notre unique espoir de tuer Rendane. Une chance que nous n'aurons que lorsqu'il attaquera l'étoile. Et voilà, il est mort. Et d'ici là, ça te finit le mini tutoriel après ça ou quoi? Aucune idée. On va saboter les opérations de l'Imperium autour de ce lieu. Dans minutes. Gagner le plus de temps possible. Ouais, c'est ça. Tenir l'appui des factions. Heureusement pour nous, elles ont toutes besoin d'aide. Faire sauter des trucs marche bien jusqu'ici. Je pensais continuer comme ça. Pendant que Rendane répare l'héliophage, on va aider les autres factions à se remettre sur pied. Si on veut réussir, on va avoir besoin de tout le monde. Les RPU ont subi de lourdes pertes en tentant de reprendre leurs anciennes colonies sur Bliss. L'amiral Bannon a lancé un appel à l'aide. Commençons par là. L'observatoire dit qu'Ecunard grouille d'équipes de ramassage Generite. En frappant fort, on pourrait couper leur alimentation en énergie. Tempest est plus vulnérable que ne l'imagine Rendane. Ce sera dangereux. Mais ils ne s'attendront pas à nous voir.
Alors, on ne passe personne par le sas ? La ferme, Cleese. C'est notre dernier espoir de sauver Solus. On ne peut pas échouer. On réussira. Ben, il se pourrait... Ah, bon Dieu ! La ferme, Cleese ! Non, il faut... Mon nom de son. Une deux bananes. Ici, vous pouvez préparer un envoi en mission avec d'autres Battleborn. On s'occupe de tout. Vous vous asseyez, vous vous détendez, et Nova fait le reste. Le menu de commandement permet de consulter les stats, de gérer les Battleborn dont vous disposez, et de personnaliser votre matériel. Comme j'imagine que vous passerez pas mal de temps ici, j'ai aménagé ce machin. Accès au commandement, les stats affichent une vue d'ensemble. Ah oui, je vais me chercher quelque chose à illuminer pour regarder. Le menu de consulter okay. Les stats, de gérer les Battleborn dont vous disposez, et de personnaliser votre matériel. Comme j'imagine que vous passerez pas mal de temps ici, j'ai aménagé ce machin. Et je suis fière du résultat. Merci Nova. De rien, Battleborn. Peut-être à des compagnons pour votre première mission. Ou vous êtes peut-être du genre loup solitaire. Dans les deux cas, vous pouvez indiquer ici les paramètres et équipiers, ou décider de partir en mission en solo.